Et bienvenue à tous et à toutes sur le quatrième épisode du jeu de rôle en compagnie de... Mr. Fanax, Volker, Okino. Et votre serviteur, Frosty. Alors, le MJ. Eh bien, donc depuis déjà, il me semble, trois épisodes, vous êtes engagé dans un long combat contre des guerriers mystérieux qui semblent en avoir après votre loup-garou, notamment. Et en archère, surtout, à vouloir me poignarder. Et donc... Lors du dernier épisode, ils avaient commencé à battre en retraite et le cours de la bataille s'inverse progressivement, même si Frost est toujours en train de saigner partout. Oui. Même avec malgré les nombreuses tentatives de Volker de le soigner. Hein. Alors désolé sur la vidéo, vous verrez un petit problème, c'est ma page qui a décidé de faire n'importe quoi, donc vous allez voir un petit rétrécissement, mais ça va vite se régler. Voilà. D'accord. Donc... Ça bouge de partout, il y a de plus en plus de feu, les tentes les unes après les autres prennent feu, tout simplement, c'est le chaos. Et merci. Dans ce chaos, Spiritus, soudain tu constates que l'elfette a disparu de ton champ de vision. Et c'est à toi. C'est à lui, c'est à Spiritus. Il a dit qu'il le suivait du regard. Oui, oui, j'avais dit que j'essaierais de la suivre. Sachant que ces deux-là sont dans la merde. Allez. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu la suis. Tu te précipites de ta rêve. Très bien. Et donc, On va jouer à chat et la souris, mais sauf que cette fois-ci, c'est moi le chat. Et donc, le dernier guerrier encore debout, il te voit partir à toute allure et je t'arrête, mon cher Fanak. Il se bat. Il en reste deux. Oui mais lui, il est dans le coma, lui. Il est plus ou moins évanoui avec. Il est mort, lui. J'ai oublié ce détail. Donc ce dernier guerrier encore en place, au lieu de poursuivre et secourir son ami, s'enfuit à toute allure à travers les arbres. D'accord. Et celui-là est en train de se relever progressivement, il se met sur un coude. À toi, Kino. Bon ben, il y a quoi ici? Alors, ici. C'est simplement un bout de bois avec quelques vêtements qui sont en train de sécher. Ok, bah je vais les laisser, je vais pas les prendre les vêtements. Oui, ça et je vais me diriger sur cette tente. Hein. Bah si, pour Volker. Mais Volker, on s'en fout. C'est ça. Donc, eh bien, tu peux t'y déplacer. Voilà, c'est fait. Alors, cette petite tente-là n'a pas beaucoup plus d'intérêt que la précédente. Prends quand même les tokens, on sait jamais. Deux vieux vêtements et puis un petit couteau de chasse. Deux vieux vêtements. Ok, je prends là par contre. Vieux vêtements et couteau et un couteau de chasse, un seul couteau de chasse. Eh oui, le mec qui. Mon ami Okino, tu sais, hein, je suis ton ami, donne-moi ce couteau. Voilà, ça c'est fait. Très bien, Frost, toi tu saignes toujours autant après les échecs successifs de ton prêtre pour te soigner. Et tu commences à avoir du mal à tenir debout. Bah alors, j'essaye de tenir debout déjà, ça va être une grande avancée. Ce serait une bonne solution. Et tu vas me faire un test de courage. C'est pas bien. Du coup c'est lequel? C'est... attendez. Et voilà. Attends. C'est un dé de 100. Ok, je ne vois plus de dés. Ok, il n'y a plus de dés en fait. Ah, t'es... en fait, il est complètement buggé le pauvre. Oh, il a un Par bug. Contre, ton courage, tu as 45. Tu m'engueules pas. J'ai plus de. En fait, j'ai plus de dés. Je peux plus faire de ping. Je peux plus rien faire. Donc, je vais essayer de relancer mon. C'est la violence. Mon draco. Mon. Très bien, alors. Bah, pendant ce temps-là, je vais faire ce jet pour toi. Dans ma grande montagne. Vas-y. Allez, les dés du MJ. Oh, tu me fais rager. Très bien. Donc, tu es pris d'une violente nausée, mais tu réussis à te contrôler et tu gémis à Volker. Allez, vas-y. Viens boire un petit coup à la maison. Volker, c'est à toi. Bah, moi j'essaie de le faire. Ah, c'est bon, j'ai les dés. Il a presque plus de points de mana. Hein. Est-ce que tu n'avais pas réussi à l'épisode précédent? Non. Non, ça avait encore foiré. Il avait fail. Tu vas faire un test d'intelligence pour tenter. Ah, mon ping est revenu. Croisons les doigts. Aide-moi! Hein. C'est encore un magnifique fail de la part de notre cher ami Volker. J'en ai marre. Hein. Allez, salut. Fanax, t'as truffé les dés de quoi? De malchance? Les dés sont truqués. Donc, de plus en plus fébrile, en plus Frost commence un peu à s'énerver et à t'engueuler, tu n'arrives plus à te concentrer, tu fais absolument n'importe quoi. Est-ce que je peux le tuer? Non. J'ai une mec dans la main. Dans la plaie, il hurle de plus. Et t'as pas des potions? Que je l'attaque pour pouvoir le soigner.
Ouais, c'est vrai, y'a pas quelqu'un qui a des potions de soin. Volker, t'en as pas sur toi par hasard? Ouais, y'a pas quelqu'un qui a des potions de soin. Le troll. Si, il en a des potions de soin, oh, il en a même trois. Oh non. Sérieux? Est-ce que je peux pas lui en passer une? Parce que là, voilà. D'accord, donc on a fini de le tuer. Et là, je peux pas le tuer là. L'elfe continue à reculer, mais elle entend Spiritus distinctement qui se rapproche en courant. Elle s'adosse à un mur et elle brandit son couteau dans une coucou posture. Elle est en position fétale là, comme moi au début. Pendant ce temps-là, l'autre continue à fuir à travers les bois et vous ne le voyez plus. Il te voit. Non mais de toute façon, lui, il reviendra pas. Hein. Il est terrorisé si, on là. Le voit. Oui, non mais il reviendra Bromi, pas. Bromi, reviens. Bromi. Oh ben il part. Spiritus, que fais-tu? Viens, on a du saucisson. Je vais tenter de sauter sur l'elfette à 3 mètres, ok. Ok. J'essaie quand même, ouais. Alors, attends. Bah, tu peux sauter assez haut quand même, puisque t'es censé être un. Ouais. T'es censé et être un. Ouais, bah, 47, un loup, quoi, je crois que ça passe. Ça passe normalement. Très bien. 86. Je suis dans le rouge. Tu vas me faire un jet de dégâts. Ouais. La pauvre, elle est morte. 5 plus 3, non, t'es obligé de la tuer. Parce qu'elle est morte. En fait, ils sont tous devant elle. Tu lui sautes dessus, tu lui arraches. Tu bug, Fanax. Le couteau des mains avant qu'elle n'ait le temps de te porter un coup. Oh. Est-ce que l'arc est très bien, donc tu sautes sur elle. Tu sautes sur elle. Tu la désarmes avant qu'elle ait le temps de te porter un poignard. Oula. De patte. Qui la déchiquette parce qu'on est galant par ici. D'accord. Et est-ce que l'arc est détruit? Alors, l'arc est tombé à terre avec tout le reste de son équipement, mais non, une. Je lui prends ses dagues. Il n'a pas brisé, ni rien. Yeah. Okay, je lui prends ses dagues. Mais attends, t'es pas encore, t'en es pas encore là. D'ailleurs, moi, c'est à mon tour là. Et donc, l'autre bandit commence à se relever puis à s'éclipser en voyant que les choses sont mal. Non, Donny. Okay, non. Est-ce que j'ai le droit à un jet d'intelligence, de perception pour voir si. Pour le voir s'en aller? Si tu le remarques, le remarque, il est assez loin de toi. Alors il y a juste une chose, Fanax, je suis désolé, je veux bien que toutes les autres tentes aient pris feu, mais celle-là ne peut pas, elle est extrêmement éloignée de toutes les autres. Mais tu oui. m'agaces. Ouais, ah oui, mais le RP avant tout. Hein j'ai c'est là qu'on pourra l'utiliser. C'est chiant en fait. Bon, allez, Okino. Il y a la terre aussi. Du coup, ça peut s'enflammer. D'ailleurs, ça c'est un banc. Oui, Okino. Oui, c'est pas oui. un coffre. Donc, on aurait pensé une caisse. Ou... Ouais, c'est pour ça que j'étais pas sûr. Kino je me souviens que j'ai laissé un mec là, je vais voir si je peux essayer de récupérer ma dague vite fait. Bah tu sais qu'il est dans les flammes là, c'est quand même... Ah mais je cours à travers, moi je m'en fous, j'ai réussi tous mes lancers pour l'instant. Et puis là on voit Okino en train de ressortir complètement feu, en train de mourir. Okino, être de foudre ne te... Je sais, ah, bon, ça m'immunise pas du feu, je le sais. Hein. On a pas du Big Mac. Tu mourras tout simplement. Non, si je cours et que je vois s'il est pas... Il est dans les flammes complètement ou il est hors, oui, il est hors de portée. Il est complètement dans le brasier. Ouais bah donc je laisse tomber. Et d'ailleurs les flammes sur cette tente, elles ont pas commencé à s'éteindre? Il commence plus à... Bah en fait il reste plus grand chose et ça va bientôt s'éteindre. Mais y a que dalle. Non, il y a que dalle à récupérer, bah je passe ici. Hein. Voilà. Bon, au passage je vois lui mais je peux encore rien faire. Je suis trop loin. Très bien. Là, du coup Frost... tu pourrais essayer de nous protéger pendant ce temps, non? Oh, bah... comment te dire... attendez. Je me vide de mon sang. Allez, j'ai fait mal. Grâce à Volker. Qui vient de se rendre compte qu'il avait trois potions de soins sur lui en fait. Ça aurait été nettement plus rapide. Voilà ce que je vais dire. Moi, voilà. Je pensais que ça allait réussir ce coup-là. Tu peux également suggérer d'utiliser une potion, puisque plus rien n'a l'air de marcher. Est-ce que tu pourrais avoir l'amabilité de me donner une potion, hein? Tu sais, ces fioles qui pendent à ta ceinture. Au pire, j'ai qu'à l'assassiner et je lui prends ses... Mais t'as râlé du tout le monde, toi. Mais non, mais... Frost, il tu peux pas, t'es éventré. Comment veux-tu combattre quelqu'un? Mais là, tu fais un mouvement avec tes bras, t'es en train de t'ouvrir le foie, mec. T'essayes de donner un coup, tu tombes par terre, t'es mort. Volker, à toi. Volker, Volker. Je suis un peu dans... Je donne ma potion de parce que j'en ai marre de mes trophées, là. Et j'ai beaucoup de temps à vivre. Je lui... Est-ce que je peux faire un truc du genre, je lui prends le cou, je lui fous la potion dans la bouche, du genre, toi, tu te la fermes.
Et c'est là que je meurs. Ok. Non, Frosty, enlève ça. Fais les chiens. Non ? Oh, dommage. Ok, donc, j'enlève. Donc tu saisis une potion, et puis tu lui la fais boire à moitié de force. Je sais, merci. Tu commences à te sentir un peu mieux. La plaie de ton ventre à se refermer légèrement, mais ça reste potion, donc combien de vie en plus état... Combien de vie en plus? Combien? Vous êtes tous les mêmes. 8, ouais, du coup ça fait 8 normalement. Non, je crois que c'est 5 plus 5, non? Non. J'ai pas les données des potions. C'est Valiel, en fait, c'est Valiel qui avait les données des potions sur sa fille. Bah, je même. En fait, très bien, donc tu récupères 5 PV, ah bah, ouais. Ça fait 5 PV. C'est ce que j'avais fait en plus. Ouais. Voilà, ça fait 8 du coup, hein, celui qui s'est pas compté. Non. Plus, j'avais... Non, ça fait 8. J'avais 3 PV. 8 plus 5, ça fait 8. Non, si, 3 plus 5, ça fait 8. Avec les saignements, t'avais que 2 PV avec les saignements. Bah, j'avais 3 là. Moi, j'avais écrit 3. Tu commences à te sentir mieux, légèrement nauséeux, mais ça va un peu mieux pour l'instant. Tu peux toujours pas combattre, hein, t'as toujours la plaie qui est grande ouverte. Ouais, il a encore la fiole enfoncée dans la bouche. Alors le dernier bandit, il recule, mais il voit le mage, et Okino, tu peux lire dans ses yeux une terreur sans nom. Coucou, je suis là. Surprise. Non, mais je peux pas lui lancer un sort à cette distance. Ah non, je pense que Spirit Wolf l'a remarqué. Spiritus. Bah, je sais pas, j'ai remarqué ou pas. Bah, non, t'as pas remarqué qui s'esquivait, mais tu sais qu'il y avait plusieurs personnes par là. Eh, hey, je lui crie quand même vite fait en même temps, Spirit, y'a un mec qui se casse. Ok, donc du coup, ouais, donc j'ai entendu, du coup, je cours vers là. Hein. Puis là, à partir de là, quand même, je le vois quand même. Faut pas déconner. Ok, Okino, à toi. Je suis inapte au combat avec 7 points de mana, donc. Bah, moi, je vais fouiller ici. Je tiens à préciser quelque chose. T'avais pas un familier Kinaï avant, toi? Non, mais c'est pas encore. Dans la première version. Fanax a décidé qu'on allait, que pour l'obtenir, il fallait pas les passer par des quêtes. On verra bien ce que ça donne. Okay. Donc, je vais le fouiller lui. Tu commences à looter. Très bien. Et. Puis, Okino qui est en train de se faire de l'argent. Ouais. Je suis le plus riche, hein. J'ai regardé l'argent de tout le monde, je suis le plus riche. Très bien, donc l'argent sale des abonnés, c'est l'argent des abonnés. Tu récupères un vieux poignard, une épée bon marché, pas vraiment de qualité, et puis des vêtements discrets, légèrement renforcés. Un peu donc, comme les miens. Hop. C'est pour moi, ça. Mais prends tout. Ok, donc vêtements. C'est du leader price. Vêtements discrets, vieux poignard, et c'est quoi le dernier? Une épée de mauvaise qualité. Épée donc Frost, toi pendant ce temps-là, tu te sens un petit peu mieux, tu peux à nouveau marcher, même si encore quelques potions, quelques soins pour te remettre totalement sur pied. Alors, je vais lui foutre une baffe. Tu peux? Tu veux le faire? Et là, juste quand je fais ça, boum. Non, je vais marcher, je vais essayer de marcher genre là par là, pour essayer de remarcher, pour voir si je peux faire quelque chose au moins. Ok. Donc, au fur et à mesure que la plaie se referme, donc tu commences à marcher pour voir un peu ce qui se passe. Tu grimaces de douleur et tu sens que la cicatrisation au niveau de ton ventre n'est encore que superficielle. Qu'il faudra un vrai soin pour te remettre d'aplomb. Mais pour l'instant, tu peux marcher. Parenthèse à part, c'est quoi déjà quand le rond bleu là? Enfin, quand on appuie sur notre personnage. Bing. Le rond bleu, on ne l'utilise pas, c'est pour l'XP en fait. Ah. Ah, mon expérience! Volker! Donc, tu commences à être un peu fatigué avec cette énergie envoyée dans le. Tu as aussi. 3 points d'énergie! Ouais, c'est très bas au niveau d'énergie. Alors, je te rappelle que tu as des. Tu as. Je te rappelle. J'ai de quoi lui envoyer encore un petit sort de soin? Non. Un dernier. Un dernier? Un dernier. Je te rembourserai des potions, t'inquiète pas. Donc, je vais encore en lancer, c'est ça? Oui. Ouais. Faut que ça marche. 96. Je crois que ça passe. Ça passe. Ça passe. Oh purée, mais oui, il a un bonus de prêtre. Ça passe. Et.
Et donc, on va arrêter l'épisode. Tu poses la main sur la plaie de Frost et tu commences à charger ton sort. Cette fois, tu es de nouveau confiant après cette réussite de la plaie. Avez... Et donc, le bandit continue de reculer, terrorisé, en voyant un mage et un loup-garou qui se précipitent vers lui. Même si le mage est en train de déshabiller son ami. Va chercher. Quoi ? Être plus terrifiant à voir. Spiritus, que fais-tu ? Eh bien, je me lance à la poursuite de ce mec. Ok. Tu dois le rattraper de ton premier tour, non ? Avec ta rapidité. Il y a Je peux te mettre juste derrière lui, quasiment. Chope-le. Et puis si c'est possible, après, faire en sorte qu'il s'arrête, quoi, en le plaquant ou un truc dans tu le peux essayer non, de... je... bah, tu peux... Il peut pas tenter un lancer de plaquage à cette ouais, distance. Ouais, voilà. Un lancer de plaquage. Plaquage. Tu peux me faire un test de rugby. Ok. What? Je l'adresse, parce que ça comptera sur la vitesse et l'habité. Allez, c'est parti. Tu peux le faire. Hashtag Rugby World Cup 2015. Hashtag France Italie. Alors, pour vu que vous ne voyez pas cette zone sur la vidéo, il a fait un 8. Très bien, donc l'autre court de plus bas l'île. Il cesse de se retourner et fonce le plus vite possible, mais il n'a aucune chance contre toi. Touchdown. Qui est un loup-garou puissant, rapide et meurtrier. Il a touchdown. Un violent coup de patte, il s'effondre au sol et saigne légèrement. Et tu peux, tu peux faire un des 6 dégâts, non ? Non, c'est un plaquage, c'est pas une action. D'accord, c'est juste un plaquage. Point de vie, mais pas plus. Okino, à toi. Bah, moi je rush vers elle, hein. Est-ce que j'arrive à sa distance ? Avec les. bah, tu peux faire la moitié du chemin. Hop. Très bien. Tu vas déshabiller une elfe. Ah, ok, qu'est-ce que je t'envie ? Frost ? Est-ce qu'il y a possibilité maintenant que je bouge ou pas ? Oui, bah, pas trop vite, mais ouais. Bah, je peux aller vers le. En mode déambulateur, tu sais. Non, ne bouge pas parce que Volker veut te soigner là. Avec un ah oui, sort. Mais il a chargé son sort. Et il va pas lui faire gâcher sa bouger, c'est bon. Il va pas perdre son sort parce que j'ai bougé un petit peu. Il doit avoir la main sur la plaie en fait. Ah bah alors je vais rester là, là, voilà, c'est bon là. Oh, c'est magnifique. Volker, je vais lui dire de soucis. Dépêche-toi, toi. Donc Volker, tu peux lancer un D6 pour déterminer combien de points. Le mec, il va me mettre un point, tu sais, merci. Allez. Oui. Deux. C'est nul. Donc, Kurt, toi, tu es essoufflé, tu es épuisé. Après avoir lancé tous ces sortes de guérisons, la plupart sans aucun effet, tu appliques ta main sur la blessure et tu soignes légèrement. Mais pourquoi ils m'ont mis 5 ? C'est pas gentil, je vais être à 7. 9, ouais, c'est bon. Quasiment toute ton énergie te quitte, Volker. Tu es pris d'une grande somnolence et tu es obligé de t'appuyer sur ton bâton. Frost, toi, tu te sens un peu mieux. Je suis encore un point d'énergie, hein. Ça marche. Voilà. Maintenant, je peux te poignarder. C'est dire que tu n'es plus bon à faire grand chose dans l'immédiat. À moins d'utiliser tes points de vie. Hein. À moins d'utiliser tes points de vie. On te reverra plus tard. Bon, on va éviter ça. Pendant ce temps-là, Spiritus, tu es aux prises avec cet homme qui essaie de t'assonner des. D'épée, mais qui est bloqué par tes pattes. Assomme-le. Tu pars. Non, je vais tenter de le. On prend à peine quelques mots. Mort au loup-garou, ces abominations doivent mourir, les protecteurs de l'ombre triompheront. Il tente de te frapper, mais sans succès. Je sens qu'on va avoir une guilde sur la gueule après ça. Justement, en fait, je voulais tenter de le convaincre d'une façon ou d'une autre de faire en sorte qu'il nous laisse tranquille, que tous les autres loups-garous nous laissent. Non, on peut pas faire confiance à une guilde. Assomme-le. Volker a bien réussi. Non, mais Volker, ouais, il a réussi à en faire fuir un. Le mec, il était transpercé par une épée pour avant. Eh, mais l'épée était toujours dans son corps, hein. Mais la plaie était refermée. Les gars, on se fait une petite pizza au calme. Je dis, bon, tu veux faire quoi ? Tu veux nous rejoindre ou tu veux te faire boulotter ou exploser comme un champion ? Alors, Spiritus. Je sais pas. Assomme-le, mec, parce que si tu tues. Au moins de l'assommer. Certes, si... Assomme-le ou tue-le. Non, ouais, je vais plutôt l'assommer. Ouais, je vais plutôt l'assommer. Je vais le torturer après. Je vais le faire. Okay, enfin, tu vas lui donner une fois. On va l'interroger après. Ouais, ok, donc fais-moi un test de force. C'est moi qui le torture avec Spiritus. Hein. Ok, donc il gesticule de plus belle et toi, tu lui donnes un violent coup de poing qui l'étend au sol. Il ne bouge plus, il est visiblement assommé pour le moment.
D'accord. Voilà, on va dire que ce petit logo représente l'assommement. Donc. Eh bien voilà, la situation semble s'apaiser et le calme revient peu à peu sur la forêt. Et okay, l'épisode va s'achever ici. Le feu commence à s'éteindre et vous êtes sorti vivant de ce combat. Enfin, plus ou moins vivant. Ouais. Et donc, c'est ainsi que s'achève cet épisode. Espérons que la suite se déroule aussi bien. Et Fanax fait la fin parce que je trouve jamais de fin. Eh bien, à bientôt pour la suite des aventures de nos quatre aventuriers. Découvriront-ils qui les a attaqués ? Réussiront-ils à sauver Spiritus frappé par une fléchette empoisonnée ? Vous découvrirez cela dans les prochains épisodes. Ça fera 10 euros. Au revoir. C'est ça. Bye tout le monde. Au revoir. Bye. Bye.